au bord de la Méditerranée, depuis deux ans, ces plages étaient devenues le principal point de départ de l'immigration clandestine. Sabratha, un territoire tenu par des milices très puissantes, armées de leurs propres chars d'assaut. Et voici la météo du jeudi 17 février. Coucou les copains. Après trois semaines de violents combats, l'armée libyenne vient de leur reprendre la vie. Il y a une ambiance de folie. Mon copain Vincent y est allé hier. Ces milices s'étaient spécialisées dans un trafic très lucratif. Moi, je suis resté pour vous présenter la météo. Ouais, je sais, je suis trop gentil. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. En Île-de-France, le ciel de la journée sera un peu couvert. Par exemple, à Melun, spécialisé dans un trafic très lucratif. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. En Île-de-France, le ciel de la journée sera un peu couvert. À Reims, par exemple, à Melun, spécialisé dans un trafic très lucratif. Des migrants venus de toute l'Afrique, achetés et vendus comme du bétail, avant même de réussir à franchir la Méditerranée. Tu viens d'où ? Guinée ? D'accord, reste là. Et vous ? Vous venez de quel pays ? Sénégal ? Ok, asseyez-vous là. Je n'ai jamais vu ça. Depuis la fin des combats, on en a déjà récupéré entre 6000 et 7000. Ça augmente tous les jours. Ils étaient chez les miliciens, chez Alamou et tous les autres. Alamou, le chef de la principale milice de Sabratha, dont voici l'une des rares photographies. L'un des plus grands trafiquants de migrants, aujourd'hui en fuite. Près du rivage, ces soldats de l'armée libyenne découvrent son quartier général. Le chef de la principale milice de Sabratha, stockait des milliers dont voici l'une des rares photographies, et d'enfants. L'un des plus grands trafiquants de migrants, aujourd'hui en fuite. Au total, près de 15 000 migrants ont été trouvés dans les hangars de Sabratha. 6 000 seraient encore entre les mains des miliciens. Le commandant Bassem Al-Gharabli dirige la lutte contre ces réseaux criminels depuis 4 ans. Il a vu les trafiquants construire leur empire sur le dos de ces migrants. Parmi eux, il y en a qui ont payé jusqu'à 5 000 $ pour arriver ici. Ça peut représenter des dizaines de millions. Alamou, à lui tout seul, possédait au moins 10 millions de dollars. Ces gens sont juste de la marchandise. C'est du trafic d'êtres humains. Un trafic qui, selon plusieurs ONG, rapporterait entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Ces migrants, en Libye, on les appelle les diamants noirs. Avant de rejoindre la Méditerranée, ils doivent accomplir un long et périlleux voyage. Ils commencent au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Nigeria. Il se poursuit à travers la Libye, sur l'une des routes les plus dangereuses. Elle passe par Bani Walid, plaque tournante du trafic de migrants. À 150 km des côtes libyennes, dans le désert, la ville de Bani Walid est une oasis. Une enclave où le drapeau libyen est absent. Ici, c'est le vert qui domine, la couleur de ceux qui sont restés fidèles à Muammar Kadhafi. Une zone de non-droit où les djihadistes de l'État islamique font régulièrement des incursions et où les trafiquants prospèrent. Notre guide est l'un des dignitaires de la ville, Alou Senkir, professeur d'université. Il nous emmène dans ce foyer dont il assure la sécurité. Salam alaikum. Salam alaikum. What me monta 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Oh! Que
Comment ça va? Ah, lui, c'est comme mon fils. C'est mon bébé. Ce lieu, c'est un refuge. On l'appelle la maison de la paix. Un endroit pour nos frères africains. Ce sont des migrants clandestins qui ont essayé d'accomplir leur destin, mais ils ont été kidnappés et enfermés comme des prisonniers. Tous ont été séquestrés par des trafiquants et ont dû payer une rançon pour être libérés. Sinali Fofana est ivoirien, il a 33 ans et il rêvait d'Europe. Voilà. On m'a piqué. Pendant 6 mois, il a été torturé. Doucement. Attends, il va bien manger ça. Viens. Tu vas voir que ça ira. Doucement. Merci quoi, le doucement. Doucement. Ils t'ont tapé les mains? Oui. Mais pieds, tête. C'est beau. Bon, il faut le bras là. Pourquoi tu as si mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Matin, midi, on me tape. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, vous me rétablissez là. Il faut au moins un mois. Pendant 6 mois, on m'a tapé. Pendant 6 mois, matin, midi, soir. On m'a frappé. Matin, midi, soir, me frappe. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Matin, midi, soir, me frappe. Il n'y a pas l'argent. Quand est-ce que tu es sorti? Je suis sorti. Ça me fait maintenant 12 jours. Une semaine, 5 jours. Sinali est passé par 3 prisons différentes. Sa famille a dû envoyer l'équivalent. Une fois par semaine, quand les conditions de sécurité le permettent, des humanitaires de Médecins Sans Frontières viennent jusqu'à Bani Walid. Bah, tu vois, je suis revenu là. Ouais, bonjour, bienvenue. Ça va? Les nouveaux arrivants, oui. Ils sont tous là? Oui. Non, y a, c'est les premiers, les 7 premiers. Effectivement. D'accord, après, c'est des gens qui sont déjà venus. Voilà. D'accord, ok. On va déjà voir les premiers parce qu'il faut voir ce qui se passe au niveau urgence, hein, au niveau médical. 7 nouveaux arrivants en combien de jours? J'ai dit 3 jours. En 3 jours, il y a 7 nouveaux arrivants. Ouais. Et peut-être 2 autres encore, on ne sait pas, on va voir. On appelle le premier? Pendant plusieurs heures, oui. Le médecin enchaîne les consultations. Tu as reçu des coups ici? Partout. Une 20aine de patients à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a partout sur les bras. C'est combien de temps en prison? Aboubakar Dirasouba a 29 ans. Il est ivoirien, lui aussi. On peut regarder au niveau du dos? Merci. Il a été libéré il y a seulement 2 jours. Aïe. Bon. Olivier Demoinet intervient dans des zones de guerre depuis près de 25 ans. Tu as mal tout le temps en ce moment? La dernière fois qu'il a soigné ce type de blessure, ouais, là aussi, c'était lors du génocide au Rwanda. Ouais, sur la tête. Ça fait mal quand je plie là? Oui, ça fait mal. Ouais. Il a lui aussi été battu d'une façon scandaleuse. Non, apparemment, il n'y a pas de fracture, c'est quand même ça qui est important. Mais je pense que ce dos est un reflet de ce qu'il a vécu. Il y a de quoi avoir quelques inquiétudes. Vous avez l'air ému, c'est... Oui, c'est de l'émotion, parce que quand on a un tel niveau de souffrance et de barbarie, même après des missions multiples et répétées dans des contextes difficiles, c'est pas possible d'être blasé, de rester insensible à tant de souffrance. Voilà. Non, on m'a trop frappé, voilà. Dans le bois, les tuyaux de pompe, dans les fils de courant qu'ils enroulent,
Ces gens, ce ne sont pas des humains. Comme Aboubacar, ces rescapés essayent de reprendre des forces au foyer. Près de 70 hommes et une seule femme, Rachel John, une Nigériane de 21 ans, avec sa petite fille, âgée d'un mois. Elle a accouché dans cette pièce. Elle s'appelle comment ? Praise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire merci mon Dieu. Parce que là d'où je viens, c'était très difficile. Et toute personne qui s'en sort se doit de remercier Dieu. Elle aussi a été torturée. Sa famille n'avait pas l'argent pour payer sa rançon. Sur ses photos, prises le jour de son arrivée au foyer, elle nous montre ses cicatrices sur son crâne. Ses bourreaux l'ont frappée à coups de pelle. Prisonnière pendant toute sa grossesse, Rachel s'estime chanceuse de ne pas avoir eu son enfant en détention. Nous étions plus de 300. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas et des femmes enceintes. Celles qui avaient déjà des enfants, leurs enfants se faisaient battre. Ils les fouettaient, ils battaient même les bébés. Ils les battaient et ils les fouettaient pour les obliger à payer l'argent. Ils donnaient des cigarettes aux enfants pour qu'ils les fument. Et si les enfants refusaient de fumer, ils les fouettaient. Rachel a renoncé à rejoindre l'Italie. Elle souhaite rentrer chez elle au Nigeria. Mais sans ressources, elle est coincée à Bani Walid. Ndimba. Oui. Où est Domiroa? Le foyer est le seul endroit où ces migrants retrouvent un peu de dignité. Libérés d'une douzaine de prisons différentes, tous nous décrivent la même méthode. Implacable. Pour obtenir le maximum d'argent, les trafiquants appellent les familles pendant les séances de torture. Les proches de Demba ont ainsi entendu depuis le Sénégal le jeune homme se faire électrocuter. On a lancé mon numéro de ma maman. Quand j'ai commencé de parler à maman, ok, on m'a attrapé, on m'a branché le courant là. J'ai crié, maman, il faut payer mon argent. Il faut payer, il faut me libérer, sinon on va me tuer ici. Si ta maman a écouté ton voix de crier, trouver solution, même s'ils vont prendre le crédit d'argent pour te libérer seulement. Certains vendent même leur commerce ou leur maison. Une fois la somme réunie entre 500 et 3500 euros, les familles l'envoient au ravisseur via des transferts internationaux. Mais là encore, sans être sûr que le racket va s'arrêter. Il faut payer en tranche. Doucement. Pourquoi faut pas tout payer tout de suite? Parce que tu as peur qu'on ne te revende dans une autre prison. Si tu payes une fois, c'est dit que tes parents ont beaucoup d'argent. Donc quand tu vends ailleurs, ses parents vont payer encore là-bas. Donc c'est comme ça, il s'est dit, bon, les gens aussi ont compris ça. Ils font comprendre à leurs parents que vraiment, il ne faut pas payer tout l'argent à la fois. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'osent même pas sortir du foyer. Leurs kidnappeurs ne sont pas loin, à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Alou Senkir, l'homme qui tente de protéger les migrants, nous emmène dans la périphérie de la ville, une zone peu habitée, derrière ces enceintes de béton. Interdiction de quitter la voiture. Si vous essayez de sortir, que quelqu'un vous voit avec la caméra et qu'il se rende compte que vous êtes français, ça va mal se passer. Il serait intervenu à la suite d'un coup de téléphone d'un habitant du quartier.
Le dignitaire affirme avoir négocié avec ses hommes la libération de 300 migrants prisonniers derrière ce portail, la seule fois où il a délogé des trafiquants. Voilà, c'est ici. Nous avons appelé celui qui était responsable de leur détention et nous avons conclu un accord pour qu'il les laisse libres. Sinon, nous allions l'arrêter. Ici, il n'y avait qu'un seul garde avec une seule arme, alors que les autres prisons sont tenues par beaucoup d'hommes armés. Maintenant, il faut partir. Je viens d'entendre une porte s'ouvrir. La seule image de ces prisons clandestines a été diffusée sur Internet par un journaliste somalien. Il a réussi à joindre des migrants de son pays emprisonnés quelque part en Libye. Sur cette vidéo tournée avec un téléphone, ils décrivent l'horreur de leur détention, le manque d'eau et de nourriture, les sévices. Tout au fond, l'un d'entre eux est allongé sur le ventre. Ses geôliers lui ont posé un parpaing en ciment sur le dos. Il me demande 8000 dollars. Les Libyens m'ont torturé et cassé les dents. Ils ont posé une grosse pierre sur mon dos et je suis là depuis 11 mois. La traite des migrants, un fléau dont Alou Senkir aimerait que sa ville se débarrasse. L'universitaire souhaite nous montrer les forces sur lesquelles il s'appuie. Ces hommes, ce sont eux qui assurent la sécurité de la ville, jour et nuit. Une milice constituée d'une trentaine d'hommes armés, dans une ville tenue par des clans, affranchis du pouvoir libyen. Il n'y a pas de gouvernement ici. C'est encore le régime de Kadhafi. Il est encore vivant et il est toujours ici. Et nous faisons les choses comme nous pensons qu'elles doivent être faites. Nous ne sommes pas sous la protection du gouvernement. Un combat presque impossible à mener contre des trafiquants connus de tous, enracinés à l'intérieur même de Bani Walid. Dans cette ville, tout le monde se connaît. Ce sont de grandes familles. Les kidnappeurs sont aussi de cette ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce que nous aimerions entreprendre, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Mais avec ces hommes armés, vous n'êtes pas assez fort contre les kidnappeurs? Il est impossible pour nous d'agir librement. Parce que si je vais dans une de ces prisons et que nous commençons à tuer tout le monde, ça veut dire que des gens de Bani Walid vont s'entretuer et des migrants africains vont mourir. Vous comprenez? On ne veut pas que cela arrive. À Bani Walid, il y a ceux qui survivent aux trafiquants. Et il y a tous les autres, retrouvés morts le long des routes. À tel point que certains habitants ont dû eux-mêmes trouver une solution. Mohamed Bari fait partie d'une association caritative de la ville. Nous sommes à 10 km de Bani Walid. Nous allons là où un propriétaire nous a fait une donation, une parcelle de terre de 2 ou 3 hectares. Mohamed ne pensait pas devoir un jour mener ce genre de projet. Un cimetière aux allures de fosse commune. C'est le cimetière pour les migrants clandestins. Ça commence là, et il est délimité par le mur de terre que vous voyez tout autour. Les corps sont déposés entre ces parpaings. Tout ça, ce sont des tombes. Là, c'est une rangée de tombes, puis une autre, et encore une autre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il faut toujours qu'il y ait des tombes prêtes. Chaque mois, l'association doit enterrer 25 à 30 corps. On s'est habitué à ce chiffre. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Au total, en 2 ans, l'association a enterré entre 500 et 600 corps, peut-être plus.
Par crainte de représailles, Mohamed ne veut pas s'attarder sur les causes de ces décès. Notre travail commence dès qu'on trouve un corps. Tout ce qui se passe avant ne nous concerne pas. Nous, ce que l'on peut faire, et c'est le minimum, c'est d'enterrer ces personnes, leur offrir une sépulture décente. Bien sûr, tout le monde est en colère, très en colère à cause de cette situation. Mais en l'absence de solution, nous ne pouvons qu'apporter une réponse humanitaire. On a besoin d'une intervention de l'État pour résoudre ce problème. En 2016, plus de